Allez, salut à tous, bienvenue sur le live. On est parti pour Oh Force and Man. Allez, cinquième partie du jeu. On avait pas mal avancé, on en était vraiment sur la troisième, je pense, et dernière partie du jeu là. On avait récupéré une mage qui était dans un état catastrophique et on l'emmenait dans un temple pour se faire soigner. Donc j'avais mis en place mon armure. Putain, c'est dingue, j'ai l'impression que les graphismes sont beaucoup mieux ici. Ça fait impression d'un coup. Allez, go. On va essayer de terminer le jeu, alors peut-être pas aujourd'hui, mais à mon avis très prochainement. Bon, j'imagine que c'est trop tard. Je crois qu'on va pas y couper. Ah! Bon, c'est pas très grave. Je prends. C'est quoi cette mission ultra difficile là? L'entrée de jeu, ça commence. Ça va, ça passe. Ouais, plus impressionnant qu'autre chose en fait. On s'en est sorti. Elle est sympa, cette petite tenue au final, la Styx là. Ça va, tout va bien? Non, ça va. Le garde qui en a absolument rien à foutre de moi, quoi, mais chaud. Oui, va. Il a complètement bugué, le garde. Bon, mais je crois. Je crois qu'il s'en va. Soit il s'en va, soit il a eu peur de moi, en fait. Et il y a deux solutions. Putain, ce garde qui s'enfuit comme ça. Oh! Voilà, ça sera déjà au moins un en moins. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Bon, on est pas mal, on est pas mal. Ça, j'aime bien l'endroit. Ça change de tout ce qu'on a pu voir, des souterrains et des catacombes. Ça fait du bien. Un peu de changement, c'est cool. Ah, le capitaine. Vous rendez-vous compte moins que vos clair. Actes nous mènent à une impasse? Quelle que soit l'issue de cette bataille, de valeureux combattants seront morts pour rien. Ouais, j'en chialerai presque. Mais je me console en me disant qu'au moins tu nous mouchardera pas à l'Empire. Voyez-vous cela?
Pour ta gouverne, gobelin, un messager est déjà en route pour alerter le commandant des forces impériales. Vous ne le rattraperez pas. Ah. Arrivé trop tard. Oh, je ne comptais prévenir personne, vous savez. Ma présence ici est plus un châtiment qu'autre chose. C'est pour ça qu'on pouvait pas le tuer. Je ne rends que très peu de compte à très peu de monde. Mais vous vous êtes attaqué à mes soldats. Vous avez tué mes hommes. Pour un tel acte, je suis tenu de rendre des comptes. Oui, il va prendre cher. Et surtout, par respect pour mes frères d'armes, je ne peux rester sans agir. Vous avez mis mon honneur, ma responsabilité et mon autorité en question. Ferme-la, quoi. Et vous allez en payer le prix. Ah, je savais qu'il allait nous trahir. Je le savais. Bah, c'est parti. Let's go. Recule, toi. Voilà. Allez, adieu le capitaine. Et hop, ça c'est fait. Aïe, 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 aïe. Non, Arcaï, non. Prends-toi-en à eux, quoi. Putain, Arca, et... fait chier, quoi. Oh. Le mec, il pourra plus jamais s'asseoir. Hein. Personne n'est parfait, succès déverrouillé. Tu vois, je te l'avais dit. Et merde. Tout ça n'a servi à rien. Il faut retourner voir Sarante. En espérant qu'il en aura fini avec Arcans. On va pas pouvoir rester sur ce glaçon pendant des jours. Ah ben non, sinon les autres ils vont arriver. Bon, au moins déjà, on sait que... on est prévenu, pour le coup. On est prévenu, on sait qu'il va y avoir des impériaux qui vont arriver, qu'on a été trahis. L'Empire sera bientôt alerté de notre présence. Vous allez avoir de la visite. Ouais. Votre pote était plutôt du genre mauvais perdant. Et Arcans, où elle en est? Sortez d'ici. Je vois que la patience est une autre vertu qui vous fait défaut. Je n'ai même pas terminé mon examen. Veuillez attendre à l'extérieur. Cet accueil de chien galeux. Il a de la chance qu'on ait besoin de lui, ou je te l'aurais saigné par tous les bouts. Ah, c'est clair. C'est pas comme si on venait de tuer son ami. Il choisira mieux ses amis. Son pote impérial nous a quand même balancé au final. Où c'en est? On va pas crêcher là. Elle a repris connaissance. Sa conscience coule comme une pierre. De plus en plus loin, de plus en plus profondément. Tu vois, explique-toi parce que... Ça aussi, c'est profond. Ça veut dire quoi? Chaque heure, chaque minute, son esprit s'éloigne davantage. Ah. Elle fuit. Et ne peut pas revenir. Elle ne le veut pas. Pas après ce qu'elle a vécu. Elle veut mourir? Je n'en suis pas sûr. Elle se protège surtout. Nous pouvons la sauver, la ramener. Mais il nous faudra du temps. Et on n'en a pas. On n'en a pas. Voilà. Je sais. Mais il me faudrait des mois pour rétablir sa confiance et la faire revenir parmi nous en toute sécurité. Ouais, ben va falloir trouver autre chose alors, parce que ça va pas le faire. Il y aurait un moyen rapide. Mais il est... pire que le mal lui-même. Eh bien, en avant. Le viol. Vous devez violer sa conscience. What? Un viol psychique. Ah. Vous devez forcer un passage dans son esprit, découvrir son mal. Si c'est que son esprit, ça va alors. De gré ou de force. C'est un procédé extrêmement dangereux. Pour elle comme pour vous. Qu'est-ce qu'on risque? Cela dépendra de vos actes.
Vos consciences peuvent se fusionner ou se perdre dans son esprit. Vous pouvez, chacun de vous, sombrer dans un tourment permanent et ne jamais reprendre connaissance. Oula. Vous risquez presque tout, en définitive, mentalement parlant. On peut pas dire que tu me vendes du rêve, là. C'est clair. C'est tout l'inverse. Vous allez pénétrer dans son esprit, mais elle va aussi pénétrer les vôtres. Aïe, aïe, aïe. Elle va se défendre avec les armes qu'elle trouvera dans votre passé, dans vos pires cauchemars. Vous pourriez rester piégé dans ces cauchemars, ou même devenir fou. Ça va, on a figé. Il y a un espoir. Inconsciemment, elle sait qui vous êtes et ce que vous lui voulez. Elle sait que vous l'avez arraché aux griffes de l'Inquisition. Une partie d'elle va vouloir vous aider, j'en suis certain. Mais quant à savoir comment, personne ne peut le prédire. Et ça marche comment, ton truc? Je veux dire, pour aller dans son esprit, comment on fait? Il faut me faire confiance. Ce rituel est simple et sans risque. Le problème ne sera pas d'entrer dans son esprit. Ce sera d'en sortir. Alors allons-y. Préparez votre rituel. Nous, on se charge de ramener Arcanse dans notre monde. Putain, ça va être bordélique, je sens. Il va se passer des trucs de ouf. La musique est sympa derrière. Là, a pris cher. A pris grave cher. Ah, putain, j'allais dire, il s'assoit. Ou... Tout petit Styx. C'est bien, on va peut-être en savoir plus sur Styx aussi, par la même occasion. Attention à ne pas passer Berserk trop tôt dans la bataille. Ouais, ça aussi, c'est un gros problème. Waouh. Ok, tout va bien. Vous? C'est vous qui m'avez fait sortir du sanctuaire. Je suis Arkyle. Et voilà Styx. Styx, qu'est-ce qui t'arrive? Et on est où, là, exactement? Ouais. Ce lieu sans la mort. On est dans son esprit à lui, là. Lui seul peut nous donner la réponse. Voilà. Putain, ça fait mal de revoir cette merde. J'avais tout fait pour oublier cet endroit. Tout fait pour le bannir de ma putain de mémoire. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ici que j'ai grandi. Oh, putain. Le monstre nous observe. Il t'attend. Là-bas. Un monstre? Essaie pas de me foutre les jetons, petite. Je vais me le cogner, ton monstre. Après quoi, tu vas me faire le plaisir de te réveiller et de nous conduire sur l'île des complaintes. Je... Désolée, je sais juste... Je sais juste qu'il faut avancer. Un monstre traumatisé, dans ma tête. On m'a pas payé pour ça, merde. Je vais dégager ça, moi, tu vas voir. Putain, dans quelle galère ils sont embarqués. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est joli. Entre temps, c'est assez bien foutu là. Ah, ça fait du bien de voir des environnements différents quoi. Yo, attends, je t'entends pas, je suis en cours de roller avec ma fille, mais je te regarde. Ça marche, pas de soucis. Là, il y a des constructions un peu... Nawak. Vas-y, déshabille-toi. Non. Alors, la question que je me déshabille de bon matin. Il y a des gobelins à tous les côtés. Après, il l'a dit, hein, c'est ici que j'ai grandi. Ah, ben voilà. Il est là. Ouais, j'avoue, cette soirée, c'était bien, le JDR Stargate, c'était excellent. Ah, il est complètement bloqué, la Styx, il est en PLS.
perd connaissance. Cette chose lui fait mal. Mangez, les enfants. Prenez leur chair. Prenez leur âme. Mangez et grandissez. Waouh. Ça, c'est le passé de Styx, ça ? Non. C'est ça, ça fait peur, quoi. Yes, baston. Non, les graphismes sont pas dégueux au final. Une fois que tu sors des catacombes et de tout ce qu'il y a de ce côté-là, franchement, ça passe bien. Le début du jeu était assez moche. Et puis là, je sais pas pourquoi, là. Le jeu me vend du rêve. Allez, je suis enragé. Ouf. On est bon ou on n'est pas bon? Ah, il y en a encore qui arrivent. Oh là là, la galère. Oh, cette galère. Bon. On va attendre. Un vrai cure dent d'orque, c'est clair. Merci. Ce sont pas mes frères, je suis leur père. Et voilà. Quoi ? Lera, c'est moi qui les ai engendrés. Je suis le premier de ces putains de rats. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment c'est possible ? Je sais pas s'il va le dire. Accepte tes origines. Accepte-moi. Mais je veux pas me souvenir, bordel. Si je t'ai viré de ma tête, c'est pas pour rien. T'es pas moi. C'est pas moi tout ça. Je suis pas ça. Nous étions orques, toi et moi. Un mage orque puissant. Trop. Ou pas assez. Trop avide de pouvoir. C'est certain. Quoi ? À travers l'ombre. Nous avions trouvé une solution de facilité, et elle nous a corrompus. Nous sommes devenus un avatar grotesque, difforme, de l'orque. Nous avons créé le premier gobelin. Nous sommes le premier gobelin, celui duquel tous découlent. Waouh, cette révélation. Arrête tes conneries. Cesse de te refouler. Cesse de refouler tes origines. Wow. Cesse de me refouler. Putain, alors là, c'est le twist, mais de la mort, quoi. Combler le vide dans ton âme. Refuser voix de l'assassin. Accepter la voix du golombre. Du goblombre. Je sais, c'est quoi un goblombre? Mais je sais pas ce que c'est, moi. Putain, là je suis comme ça. Putain, je sais pas quoi accepter. Je suis en PLS. Voix de l'assassin, voix du goblombre. Je sais pas ce qui est le goblombre. Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah, ben, accepter la voix du goblombre, je pense. Je sais pas ce que c'est. Je vais accepter mon passé. Hein. Il a raison. J'ai refoulé mon passé jusqu'à plus m'en souvenir. C'était trop dur à accepter, trop dur à vivre. Tout ce que j'ai fait depuis, c'est survivre. Mais c'est fini. Je dois assumer ce que je suis. Vivre avec, plutôt que survivre sans. Tout ce pouvoir, ce serait quand même con de lui tourner le dos. Je peux pas les virer les 20 minutes de YouTube, malheureusement, hier soir. Oh, ce saut de l'ombre dans mon corps. Il faut avancer. Nous ne devons pas rester ici. Je sens le rêve se contracter.
Le rêve? T'en as de beau, toi. J'étais un orc. Je suis devenu le premier gobelin. Merci. Et j'ai engendré les rats. C'est pas un rêve, c'est un putain de cauchemar. Tu m'étonnes. C'est bien le pire truc que j'ai jamais entendu. Putain, sale révélation quand même. Je m'y attendais absolument pas à ça. Waouh. C'est vraiment tordu comme coin. C'est ta tête après tout. Attends qu'on arrive dans la tienne, qu'on rigole un peu. Merci. Pas sûr. Ouais, tout bien réfléchi, j'en doute aussi. Ça y est, là le jeu commence à partir en couille. Ça devient n'importe quoi. Je suis censé passer par où, à part là? Là, il va sauter. Oui. Les femelles d'abord. Ah, alors on est où maintenant? Putain, qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Ouf. Oh, on est chez Arkay, là, c'est pas possible. Ça ressemble à Béarbor, mais en pire. T'y étais? On m'a raconté que... Nos frères ont été massacrés. On est arrivé à la fin de la bataille. Trop tard. Tout le monde était déjà mort? Non. J'ai enragé, et j'ai perdu le contrôle. J'ai tué tous les survivants. Waouh. C'est pour ça que j'ai quitté ma femme et mon fils. C'est pour ça que mon clan m'a rejeté, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint les Bloodjaw. Ouais, l'armure est excellente, vraiment, quoi. Auprès de ceux auxquels je tiens. Merde. C'est toi le boucher de Béarbor. Oh. C'est vrai, il manque un casque pour Arkay, c'est vrai. Ça aurait grave la classe. Ah, voilà, faire face au passé d'Arkay. Je savais bien que ça correspondait au truc. Putain, mais je suis tellement choqué pour Styx. Ça me... Waouh. Ah, voilà, j'étais en train de me dire. Il y a des crânes partout. J'entends le bruit des embrouilles. Devant nous. Ah bah c'est Arkay ça. Ouf. Ah il est vénère quoi. Non, Arkay, ne le tue pas. Qu'est-ce que tu fais? Relâche-moi, tout de suite. Tu dois avoir le choix. Aide-le. Aide l'enragé. Le bisou, le bisou, le bisou. Aide-le, fais-moi confiance. Aide-le ou tue-le? Parce que... On va faire confiance à la... À la madame. Oh, la musique comme ça derrière là, c'est abusé. T'inquiète, je vais les défoncer. On va y arriver là. Allez, poison. Allez, go. J'espère qu'il va pas mourir tout seul là. Ah.
Voilà, allez, on y est alors. Ouf. Crac. Maintenant, tu peux choisir. Tu l'enrageais et tu le rendras plus puissant. Ne porte pas la main sur lui et tu en deviendras le maître. Ton choix sera lourd de conséquences. Ne te laisse pas aveugler par ta rage. Ouais, ça remue quand même pas mal. L'action est présente, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le gameplay, la stratégie est à la stratégie, mais je trouve que ça remue bien quand même. Voilà. C'est effectivement quoi. Alors tuer l'enragé, voix du berserker, ranger son main en arme, voix du maître. Alors effectivement, je vais choisir la voix du maître parce que entre le personnage de Arkhaid à l'époque qui a tué tout le monde et qui était un vrai berserk, et le personnage qu'il est maintenant, le fait de prévoir des plans, des stratégies, de se mettre beaucoup plus en avant pour les autres, pour ses frères, effectivement c'est plus une voix de quelqu'un qui est sage, qui a l'expérience du champ de bataille, que un berserker qui détruit tout sur son passage quoi. Donc allez, voix du maître. Ça lui correspond beaucoup plus. Différent. Assez nerveux, mais c'est un regard extérieur. Oui, mais tu le sens pas trop en fait. Tu le sens pas trop parce que du coup à chaque fois t'es obligé de faire de la stratégie. Mais ouais, au final le gameplay ne choque en rien. Je veux dire, t'es quand même grave dans l'action. Puis tu peux tenter des trucs sympas. Enfin, je suis pas payé pour ça quoi. Je suis pas payé pour ça. Quoi encore? Putain, où est-ce qu'on est? On est dans sa tête à elle là maintenant. Ah voilà. Ah, on est retourné dans les geôles, dans la prison, je pense. Faut pas la perdre. Ah bah oui, exact. Ouais, en version encore plus cauchemardesque. Cette fois, on est bien dans sa tête à elle. Il faut se dépêcher de retrouver sa cellule. Ah, j'aime bien la construction du level là. Complètement bizarre. Même les effets de lumière sont cool. Là, j'avoue, merci Facebook, c'est clair. Viol. Elle doit entrer. Il faut qu'elle entre dans la cellule. T'es sûr de toi là? Ça me paraît pas l'idée la plus brillante que t'aies pu avoir. Et c'est pas comme si... Je me fie à mon instinct. T'as autre chose à proposer, toi? Rappelle-toi, un viol psychique. On doit lui faire accepter ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Bon, allez, Arkhors, entre là-dedans. Doucement, doucement. C'est comme il a jeté. Ouf. Oh, ce bourreau. Et ses boobs.
Ouah, ça pue, ça. C'est fini. C'est fini. Réveillez-vous. Voilà, on y est arrivé. Faut s'arracher. Comment on fait? Réveillez-vous, bon sang. Allez, allez, bon sang, réveillez-vous. Allez, levez-vous, allez. De grâce, le temps presse. Heureux. Attendez, que se passe-t-il? Des mercenaires, ils sont partout autour du monastère. Aïe, 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 aïe. Quoi? Va falloir s'échapper. Un inquisiteur est à leur tête. Nous pouvons évacuer, mais il faut vous dépêcher. Ils ne tarderont pas à lancer l'assaut. T'inquiète. Putain! Et vous pouviez pas nous réveiller avant? Non, vous seriez mort, et moi aussi. Et l'Inquisition, comment elle peut déjà être au courant? Comment on va se tirer d'ici? J'ai envoyé le disciple des raids préparer notre embarcation. Mais il n'y a pas de temps à perdre, il faut partir maintenant. Eh ben go. Je sais pas si c'est par là qu'il faut partir. Il est loin ce bateau? Une heure de marche, mais nous presserons le pas. Il y a un passage sous l'hôtel du hall d'entrée. Il permet de rejoindre le sentier menant aux embarcations. Putain, j'ai bien fait de regarder. J'ai bien fait de regarder la salle. Les humains sont très laids, ouais, c'est clair. Vite. Frappe, frappe. Oula, il y a eu un bug graphique. Ah ben voilà, l'inquisiteur. Moitié brûlé. Hein. Le zélé, ici. Oh. Putain, ça seigneur site. Joran. Il faut fuir. Allez-y, descendez, vite. Non, oh, pas l'apprenti, non. Yarkaïk, il courait sur place, là. Ah, d'accord, l'orque. Je croyais le zélé qui faisait la moitié de la porte, j'allais dire. Il faut rejoindre l'embarcation. Ça va aller, Arkans? C'est quoi comme bateau? L'île des Complaintes n'a pas la réputation d'être facilement accessible. Peu importe. Tant que ça flotte, on y arrivera. Le bateau n'a aucune importance. Moi, j'en ai. Pressons. Je ne tiens vraiment comment pas à la pète, la meuf. Il a des poutres de Bamako à la place des bras. Ah là, je peux pas c'est te contredire. Le grand inquisiteur en personne. Le chef spirituel de l'Inquisition. Merde! Le cinglé de la chapelle, Ark. Ouais, eh oui. Vu sa gueule, il ferait mieux de remettre son masque. Tiens, en plus on avance dans le jeu, plus je le trouve joli, quoi. Sa puissance ne laisse aucun doute, c'est bien lui. Vous l'aviez déjà rencontré? Vite fait, au mur. On l'a vu se précipiter dans une chapelle en feu pour essayer de secourir ses disciples. Un vrai dur à cuire, si j'ose dire. Évidemment. Il va falloir attendre que l'ascenseur remonte jusqu'à nous. Restez là si jamais ça chauffe. On s'occupe du reste. Ouais, on est ici. Oui, parfait. Venez donc nous rejoindre qu'on s'amuse.
un peu. Allez, je protège les hauts mages, Sarant. Occupez-vous d'eux. Sympa l'endroit, vraiment, visuellement, c'est pas mal du tout, quoi. Ouh, comme il a volé en l'air. Ah ben voilà, il est déjà là. Désolé, j'ai dit aux jeunes mages de fuir par ce chemin. J'aurais dû leur demander de faire remonter les ascenseurs après leur passage. Vous avez eu pas mal de choses à gérer, je peux pas vous tuer pour ça. Faut continuer là. Allez, go, go, go. Il est gigantesque, quoi, ce personnage. C'est abusé. Yes, les deux en même temps. Bordel, vous aviez pas plus froid comme quoi pour installer un monastère ? La plupart de nos autres édifices ont été annexés par l'Inquisition. Ils ne veulent pas nous voir au contact du peuple. Ah, tu peux le faire, il est énorme. Je veux bien croire que vous devez pas être dérangé souvent par ici. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il est parfait pour méditer. Du moins, l'était-il jusqu'à votre arrivée. Les inquisiteurs seraient venus ici tôt ou tard. Putain, j'ai eu peur de tomber de la falaise. Je sais, mon enfant, ils n'attendaient qu'un prétexte. Et je nous ai tous condamnés en revenant ici. Ouais, j'ai plein de jeux sur le feu. Ouais, je te rassure, c'est pareil, moi aussi, là. J'ai encore 3-4 jeux dans ma bibliothèque, j'ai toujours pas touché. Et faut que je les fasse, c'est pour ça là, je me concentre que sur Off Work and Mance. Parce que sinon je vais trop m'éparpiller. Et c'est reparti pour un tour. Encore un ascenseur, yes. Ça aille plus vite cette fois. Ah bah ils arrivent derrière. C'est quoi ça, combustion d'ombre? D'accord, technique spéciale. Et fais voir, il a pas une technique spéciale lui? Non, je m'attendais à un truc. On va voir ce que ça donne, sa technique. Ouah, il a fait un sort de Kamehameha de force. Pas mal. Justice 2, j'essaie de me ranker. Oula, chaud ça par contre. The Messenger, encore 2 heures je pense. Ah, The Messenger, grosse surprise aussi quoi. Je pense qu'ils vont sortir sûrement des extensions, des DLC un peu à la Shovel Knight. Après en général, Devolver fait toujours des one shots, mais je sais pas, on verra bien. On verra bien si c'est le cas ou pas. Allez, on est bon. Montez. Ouais, un showdown aussi. J'aimerais bien qu'il fasse ses mises à jour là. Ça commence à me gonfler en fait. Espérons qu'ils soient déjà tous en mer. Ma vie de Java a fait évoluer. Nous ne sommes plus très loin. Exact. Dépêchons-nous.
Un incendie dans la chapelle. Bien là, cet univers. Vous avez quelque chose à voir avec? Oui, c'est très possible. Je vois. Vous avez brûlé ses disciples. Eh, plutôt ironique, non? C'est le sort qu'il réserve aux hérétiques, après tout. Le zélé va vous poursuivre sans relâche. Et c'est bien le pire ennemi que vous pouviez vous faire. Ouais, j'ai vu ça. Formidable! Tu m'étonnes que le mec il a la rage. Oui, exact. Tu te dois de vénérer Fred. Tu te dois de vénérer Apophis, quoi. Entre temps, il a fait le G, donc. Voilà. Donc, il aurait pu lui lâcher les pieds. Ah, tu me donnes des idées pour le prochain JDR là. Ça commencera comme ça. Tu seras en train de lécher les pieds de ton dieu. Et il va casser le pont. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va rester là, il va casser le pont. Non! Gandalf, non! Tu viens de sceller le sort de ton ordre, vieux mage. Tes hérétiques n'ont aucune chance face à l'Inquisition. Ah, il est classe le méchant, n'empêche. Ouf! Bataille de pouvoir. Harry Potter style. Wingardium Leviosa. Stupéfix. Elle va le briser le pont. Ouf. Ah ben là, moins de voler, ça va être compliqué pour les autres. Oh le fou. Non. C'est clair, GG la gonzesse. Vous ne ferez qu'entraîner la mort de tous vos alliés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour se dresser contre nous. Faites passer le mot au commandant des forces impériales et aux cardinaux de l'Inquisition. Les mages sont accusés de complicité avec les fugitifs, et donc de tous les crimes que ces deux peaux vertes auront pu commettre. La peine pour de tels actes est la mort. Ouais. Putain, tu sens le Saint Inquisiteur, quoi, mais pouf. Putain, c'est plutôt joli, franchement, quoi. C'est plutôt pas mal. Niveau DA, c'est bien, quoi. C'est bien. On dirait un survivant de torture Jaffa. C'est vrai. Encore, t'es sérieux, là? Mais où il va? J'ai pas compris là. Puis alors là, c'est n'importe quoi, il m'a fait perdre mon temps pour rien. Ah, c'est Styx qui se fait l'orque, hein. Va chercher à comprendre. Bon, là, il prend trop cher, Styx. Ça serait bien que tu viennes m'aider, Arkaï, là. Voilà, recule, toi. On va y arriver, je vois le petit bateau de l'autre côté. Voilà, GG. Putain, alors j'ai obtenu plein de trucs, des armes, des armures. Vous en êtes sorti? Je me suis caché quand j'ai vu ces brutes arriver. Je suis désolé. Ne te reproche rien. Tu n'aurais rien pu changer. Le haut mage s'arrête. Il n'est plus, n'est-ce pas? Et notre ordre non plus.
Plus rien ne sera comme avant. Nous sommes des fugitifs à présent. C'est bien clair? Je... Oui, c'est clair. Il lui a parlé comme de la merde. On ferait bien d'y aller avant que d'autres nous tombent dessus. Mes amis sont dans ma tête, succès déverrouillé. C'est le cas de le dire. GG, merci. Le zélé aura pas mis longtemps à nous refoutre le grappin dessus. J'imagine qu'il a eu qu'à suivre les mouvements d'Arcance dans leur foutu fluide. On s'en est tiré de justesse. Les mages, eux, n'ont pas eu cette chance. Faut croire que tous ceux qui ont le malheur de croiser notre chemin finissent par le payer cher, d'une manière ou d'une autre. Restez plus qu'à espérer que ce soit le même topo pour l'empereur Damoclès lui-même, une fois rendu sur l'île des Complaintes. La traversée aura pas été de tourpeau. Mais ce qu'on disait sur Arcance était vrai. Sans elle et sa clairvoyance, on n'aurait jamais atteint l'île en un seul morceau. La petite avait fait sa part, c'était à nous de jouer. Fallait à tout prix éliminer Damoclès avant qu'il embobine les elfes et les nains. Ou l'avenir des peaux vertes allait sérieusement sentir la merde. Bon, et ben voilà. Donc là, c'est vraiment la dernière partie du jeu, apparemment, qui va nous mener jusqu'à la conclusion. Là. Ça y est, on est sur l'île. Donc, reste plus qu'à trouver l'empereur. Après, si c'est une île, ça devrait pas être gigantesque quand même. Nous vous attendrons ici. Attends, Mikal. Nous devrions peut-être les guider. Vous avez fait votre part. Et vous en avez même payé le prix. Souciez-vous plutôt de préserver l'ordre des mages. C'est à nous de jouer à présent. Ça marche, mec. Ciao, ciao. Ouais. Enfin, elle est déjà venue ici, elle. Quelques tuyaux pour pas qu'on se jette dans la gueule du loup, ça serait pas trop. Vous allez affronter des combattantes aguerries et froides. Bien plus redoutables que les troupes de l'Empire ou de l'Inquisition. Elles sont rapides, implacables et incorruptibles. Ce n'est pas un hasard si l'Empereur a choisi cette île pour rencontrer les dignitaires nains et elfes. C'est sans doute le lieu le plus sûr de tout le territoire. Ouais, je sais ça. J'ai connu une ancienne sœur au mur. Je te parle de logistique, de leur stratégie. D'informations utiles, quoi. Ah, une ancienne sœur au mur. Si tu en as connu une, imagine d'en avoir. Parle qui de Renard. Équipés au mieux, galvanisés par leur devoir et sur leur terrain. Vous êtes au cœur de leur domaine, là où elles sont les plus fortes. Ouais, t'es en train de nous dire que ça va pas être une partie de plaisir. Super. Ah non, oui, parle peut-être d'un. Tu flippes toujours quand tu pas avoir. Foyer, hein. Eh ouais, tu sais bien que je suis mort de trouille. Heureusement que t'es là avec tes gros bras pour me protéger. Bon, on y va. Attendez. Vous voulez que je jette un œil à votre équipement? Je suis un disciple des raids, le façonneur. Ah ben oui, je dis pas non, moi. Je dis clairement pas non. Voyons ce que tu peux faire pour... Ça devrait vous plaire. Ah, je peux faire que améliorer, t'es sérieux, là? Ok, ok, ok. Oh, dégâts 12. Ouah. Dégâts 17, mais laisse tomber. Allez, réduction de dégâts, 12. Renvoie 20% des dégâts reçus. Allez, pas mal la sangle. Ok. Bon, eh ben, je crois que c'est bon. Je pense que c'est bon. On a un point à dépenser. Mettre en agilité. Ok. Lui, on est bon. Lui, exécutrice. Sangle de berserk. Là, c'est bon. Compétence. Là, il a tout. Voilà.
Styx, il a quoi? Explosion, puissante explosion magique, causant des dégâts de zone en fonction du niveau d'esprit de Styx. Ouais. Ça peut être bien aussi, quoi. Bon, ouais, parfait, level 20. Level 20 pour chacun, c'est bien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Arcaï, comme ça. Petite musique sympa aussi. Ça change. Alors là, j'ai aucune putain d'idée par où il faut passer. Bon, attends, on en vient de là. Ça y est, je commence à me perdre. Non, on retourne à l'embarcation là, putain. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Je crois qu'il fallait prendre de suite à gauche, non? Voilà, c'est bon. Putain, quel bordel. Ah, les maps sont pas très claires, pas très lisibles parfois. C'est pas mal comme coin. Juste un peu trop calme. Les sœurs ont une vue imprenable sur la baie. Si elles sont aussi redoutables qu'on nous le dit, elles savent qu'on est là depuis un moment. Oui, sûrement. Ouais. Elles nous attendent. Oula, le chien, j'avais pas vu le chien. J'attends juste que le chien passe. Non, bon, bah trop tard. Voilà. Ouf. Adieu le chien. Bien ça, gain de level, toujours. T'as 30% quoi. Pouf. On est bon. Ouais, on est sur la bonne route. Il va vraiment me faire chier le chien. Je peux même pas l'assassiner en plus. C'est ça le pire. C'est que je peux pas le... Je peux rien faire contre lui. Et hop, réglé. Voilà donc ce foutu temple. Eh ben, on n'est pas rendu. C'est pas à côté, c'est clair. J'espère que l'empereur est bien sur place. J'ai pas trop envie de me farcir toutes ces furies et leurs saloperies de clébards pour rien. T'oublies mes frères morts dans la forge et les mages. Ils ont perdu bien plus que ça.
Ouais, oh, bon, commence pas à faire le sentimental. C'est pas le moment de fléchir. Ah, c'est joli. T'en fais pas pour ça. Il n'est pas question d'échouer. On a l'impression que le studio a tout misé sur le sur la dernière partie du jeu en fait, parce que franchement c'est très beau, on voit que c'est beaucoup plus recherché que le tout début du jeu quoi, c'est assez ça fait assez drôle quoi, en réalité. J'aurais dû attendre un peu, non ça va, ça passe. Good. Oula, j'avais pas vu la petite patrouille. Salut Mister T, comment tu vas mec? Quoi de beau? Week-end? Pépère? Toi, tu m'as fait peur. Regarde, il y a le chien qui passe la tête à travers le corde. Excellent ça. Excellent. Bon là, du coup, elle est partie faire sa ronde. Hein. Ah, je peux pas partir. Mais même pas une ah, j'allais dire même pas une calcul en fait. J'étais en PLS, j'étais en train de me dire il se passe quoi là. Jeu qui se fait des misères lui-même. Ouais, go. T'as remarqué que t'étais dans le jeu? Tiens, regarde, Mister T. Je joue avec toi, là. Là, en fait, je vais pas tuer l'empereur, là. Je go muscu, là. Allez, hop, hop, hop. Putain, je crois pas, elle m'a capté de loin, quoi. Et ouais, c'est ça, mec, hein. Travailler son corps. Voilà les résultats, après. Mister T, y'a moi à côté. Là par contre je prends ultra cher là. J'arrête de jouer au con. Ça va pas le faire. Tu mords. Très bien. J'espère que monsieur va faire quelque chose. Oh putain la caméra. Mais dépêche-toi mec. Dépêche-toi. Comme je douille. Je suis mort. Oh. Ah, elles m'ont défoncé. Elles m'ont déchiré la gueule. Tu devrais peut-être appeler. Ah, merde. Alors, j'espère qu'on n'est pas très loin de la grotte. Je vois que tu as perdu du poids. Tu continues le sport? Ben oui, monsieur. Je continue toujours le sport. Et alors pas à la salle. La salle, je me suis arrêté, ça m'a gonflé en fait. Je supporte plus y aller. Et
Par contre, à la maison, ouais, tous les matins, pompe et gainage. Et pareil le soir, on me couchait des fois. Et on est bon. On est bon. Là, je me maintiens à 80 kilos. Pour l'instant, ça va, tu vois, ça me convient. Je joue entre 80, 82, 79. Je descends, je monte, mais toujours dans cette tranche-là, tu vois. Donc ça va. Je me maintiens, je suis bien là. Ça va. Bon, je fais un peu plus attention aussi avant. Ouais. Bah, j'étais quand même à 86, 89. Hein. Là, à l'époque où on a commencé à se connaître. Donc, j'ai perdu facilement entre 6 et 10 kilos, quoi. Et je le ressens vraiment. Déjà, j'ai arrêté pas mal les week-ends spécial bière. Voilà, quoi. C'est beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Ben oui, forcément. Il fallait bien que Arkay se fasse repérer. Ouais, t'inquiète. De toute façon, je lâche rien. Je fais ce qu'il y a à faire. Putain, j'y crois pas. Ils m'ont interrupt mon sort, quoi. Ça me fait péter une durite, quoi. Oh, putain. Fait chier, ils me l'ont tué. Dégâts plus 30, ça va faire mal. Ouf. Alors, je sais pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est bon, c'est par là. Alors, tu joues à quoi en ce moment, mec? C'est quoi le mieux, à gauche, à droite? Ouais, à droite, c'est direct. Mais c'est bondé d'ennemis par contre. Mais genre plein. Ah, t'as pas le temps en ce moment, dommage. Ouais, écoute, ça s'est bien passé hier pour Stargate. C'était bien. Bon, des fois ça a donné lieu à des situations un peu incompréhensibles. Parce que j'avais écrit les grandes lignes du scénario. Mais vu que les joueurs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc du coup, il a fallu que je change mes plans, que je réinvente des personnages, des situations. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu pas catastrophique. Mais faut vite inventer quelque chose. Et c'est toujours compliqué. Mais ça va, on est arrivé à aller sur une conclusion. Une conclusion sympa, quoi. Alors j'espère qu'il va le raise, parce que sinon... Putain, bouge-toi le cul, allez. Voilà. Parfait. C'est dommage que t'aies plus le temps de jouer. Quoi, beaucoup de travail? Et du coup, tu fais toujours le même taf? Tu m'as pas dit. T'as changé tes horaires? Tu m'avais dit que tu t'avais regardé pour ça à l'époque. D'accord, l'autre est arrivé carrément en haut. Tout va bien. Oh merde, j'ai pas assez de rage. Putain, rigole pas les sœurs de bataille là. Ah yes, un coffre. Sœur de miséricorde. J'ai déjà vu ce nom quelque part. Dégâts plus 10 critiques. Oh, ça c'est bon à faire, à améliorer ça. Ouais, ça je les garde de côté. On doit plus être très loin du temple. On fait quoi si la rencontre a déjà eu lieu? Comment ça?
Ben, t'es censé tuer l'empereur pour une raison précise. Mais imagine qu'on arrive trop tard et qu'il ait déjà causé aux nains et aux elfes. Ouais, là, j'ai plus horaire fixe. Ah d'accord, donc là, c'est tu t'es remis à travailler le soir et tout ? Chaud. On va essayer de les prendre une par une, tranquille. Non, j'aurais pas... Ah, ça va. J'ai pris peur sur le coup, mais ça passe bien. Toi, tu vas crever. Clac. Suivante. Ah, j'aurais dû peut-être... Non, ça va, ça passe, ça passe, ça passe. Putain, elles sont vraiment mauvaises. Elles arrivent pas à voir l'orque qui est en face d'elles dans le... elle est vraiment aveugle, la meuf, quoi. Regarde-moi ça. Faut vraiment être débile pour pas voir l'orque au loin. Oh, t'inquiète, pas de soucis. Alors ? Alors quoi ? L'empereur doit mourir, Styx, quoi qu'il arrive. Ok, je reformule. Qu'est-ce qu'on fait des diplomates nains et elfes s'ils sont déjà sur place ? Moi, je pense qu'on devrait supprimer tous les témoins. C'est du sérieux. On tue tout le monde. Aucun risque. L'officier du monastère t'a pas suffi. Recommence pas avec tes conneries. On est en guerre avec les humains, pas avec les autres peuples. Ouais, parce que si on commence à tuer tout le monde, ça va foutre bordel. Peut-être la guerre générale. Temple comme ça dans la roche là. On dirait le temple dans Indiana Jones. Et j'allais dire et le Sacré Graal. Et merde, je me rappelle plus du nom du film, fait chier quoi. Je suis crevé quoi. Et la dernière croisade. Oh là là, honte à moi quoi. Indiana Jones et Sacré Graal. Ah, les horaires changent. Putain, c'est pas toi qui peux choisir. Ça, c'est con, ça. Oh, j'attends toujours au fait que tu me montres un peu des trucs, hein. Sur Internet, etc., là. Tu m'expliques un peu des techniques. Ah ben voilà, bon ben on est parti pour crever, je le sens bien là. Oh, le chien il va faire mal là. Allez vite, voilà. Aïe 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 aïe. Je frappe là. Ah non, j'ai que Windows. Quoique tu peux l'installer dessus aussi, yeah, mais bon. S'il faut partitionner et tout, c'est mort quoi. Laisse tomber. Ah bon. Et déjà, je peux plus utiliser l'autre personnage, il est enragé, tout va bien. Voilà, je n'existe pas. Nickel. T'es prêt ? Ouais. Enfin, tu sais que j'ai fini mon boulot, moi. Je devais t'amener jusque-là, je l'ai fait. Maintenant, c'est à toi de boucler la mission. Fais pas ton racache. Je sais bien que t'as autant envie que moi de voir la fin de tout ça. Ouais, ouais. Mais avec ta finesse légendaire, vaut mieux que je reste en retrait pour couvrir tes arrières. Puis si jamais tu crèves, faudra bien que quelqu'un finisse le boulot. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Arrête tes conneries sur l'honneur, là. On s'en branle. On n'aura pas de deuxième chance si on se foire. Donc tu fais ton boulot et je fais le mien.
Ouais. Je fais diversion, je meurs en brave, tu tues l'empereur, et t'es le seul héros de l'histoire. Mais ouais, voilà. C'est pas mal, ça. T'es un type bien, Styx. Ton rêve disait peut-être vrai, après tout. T'étais vraiment un orque. Ouais, ouais, t'es fier de m'avoir connu, tout le tintouin. Je compte pas y laisser ma peau, moi. Allez, on fonce. J'en ai marre de taper pour toi, va te battre un peu. Ouais, mais je peux pas me battre, je suis plus un... Je suis un roublard, moi, je suis un assassin. J'agis dans l'ombre. J'agis pas comme un bourrin devant tout le monde. Là. Quoique, Arkay est vraiment très sage pour un orc. C'est pas le berserk. Voilà, quoi. Ce petit passage. Il me tente bien. Ouais. Je vais voir où ça mène. J'avance en attendant. Trouver l'empereur. Ah bah toujours comme un traître, tu sais comment ça marche. Hop. Bon allez, par contre, en parlant de traître, aujourd'hui je stream qu'une heure et quart ce matin, là. Je suis sauvegardé parce qu'après j'ai d'autres choses à faire. C'est l'anniversaire de la Miss. Donc, du coup, on va sortir. Donc là, la douche, et puis on le sort. Mr. T, cool de t'avoir vu un peu hier soir et maintenant. Hein. J'espère qu'on reparlera très vite, bientôt. Et si t'as le temps, qu'on puisse jouer aussi ensemble, ça serait cool, avec Discord et tout. Et ouais, je suis très sérieux, mec, malheureusement, il est déjà 11h07. Le temps que je fasse mes affaires et tout, ça fait... Allez, ah d'accord, c'est ton anniversaire toi aussi. Ben, bon anniversaire, mec, écoute. Ben voilà, tout le monde t'a dit bon anniversaire. Et puis voilà, écoute poto, ouais, dis-moi quand t'es dispo. Si je te chope pas là, tu me le dis sur Discord. Et puis on voit ensemble quoi. Tu es né un 22. Oh, que c'est joli. Tu fais combien tu fais? Vas-y, dis-moi tout que je sache. Que je sache quel âge tu fais, mon ami. Dis-moi. Alors, tac, 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 tac. Pop. Non, allez, arrête. T'abuses sur ton âge. Je suis sûr que t'as pas 38. Tu dois avoir au moins... Allez, au moins... Au moins 60, 70. Non, ça c'est l'âge de maths. C'est pas toi, c'est pas le tien. C'est l'âge de maths, ça. Putain, si longtemps la vidéo, ça va barder, je vais prendre sueur au cul. Eh bien écoute, mec, profite bien de ta journée, amuse-toi, et puis gros poutou. Eh, voilà. Bon, allez, ciao, à la prochaine.